Thank you.
Thank you.
Ok, merci. Qui souhaitent être accompagnés parce qu'elles sentent le besoin de l'être. On a une personne qui est là, qui est présente sur place pour faire ça. Ça fait partie des mesures qu'on a mises en place là, il y a quelques mois déjà maintenant pour favoriser la participation, l'accessibilité universelle, la participation du plus grand nombre de personnes possible. Vous avez peut-être remarqué, ma collègue Maëva Vilain n'est pas présente, mais elle va se joindre à nous. Elle est en ce moment à l'inauguration de la murale. Hommage à Jean-Paul Riopel qui est réalisé par Marc Séguin et l'organisme MU. Donc, elle va se joindre à nous tout de suite après. Pour les points ce soir, donc comme on a vraiment, c'est un 3 pour 1 hein, aujourd'hui, donc il y a le conseil d'arrondissement régulier, il y a la séance spéciale sur notre budget d'investissement, je vais vous expliquer c'est quoi, et il y a la séance spéciale sur notre budget de fonctionnement, je vais aussi vous expliquer c'est quoi ce soir. Donc, dans le mot des élus, habituellement, on essaie d'attirer votre attention, vous partager des informations qu'on juge qui sont pertinentes pour vous. Je vais vous parler des vignettes journalières. Donc, on a sur le plateau un système de vignettes journalières plutôt artisanales. Donc, des gratteurs, hein, c'est des cartons sur lesquels on gratte la date. Mais ça marche très bien. On a trois zones. Une zone plus à l'est du plateau qui est à 16 $, une autre zone à 10 $ et une zone à 12 $ dans la partie plus dense du plateau. Ça marche très bien. Les gens l'utilisent, mais ça ne respecte pas les standards de la ville de Montréal en termes de sécurité, potentiel de fraude, contrefaçon, etc. Donc, on nous a obligés, en fait, à modifier notre système pour avoir un système qui est plus performant en termes de sécurité. Et ce qui fait que depuis plusieurs mois, on discute avec l'Agence de mobilité durable qui existe à Montréal pour mettre en place un système de vignettes qui répondrait aux impératifs là, qui nous sont exigés. Donc, c'est l'agence qui va piloter ce changement-là, qui va être applicable au 1er novembre. Donc, maintenant, dans toutes les bornes de stationnement où on peut payer son parcomètre, on va pouvoir acheter la vignette journalière du plateau. Donc, il va y avoir beaucoup plus de points de vente. Les points de vente vont être disponibles 24 heures sur 24 parce que les bornes sont toujours en fonction. Mais vous ne pourrez pas en avoir 4, 5 chez vous, comme je fais moi quand mes parents viennent me voir. J'ai ma vignette chez moi. Puis comme ça, ils se sentent en sécurité quand ils viennent, ils vont avoir une place. Donc, il faudra que j'aille chercher la vignette à la borne de stationnement. Donc, ça va changer mes habitudes, mais je vais m'habituer, comme tout le monde va le faire. Et donc, c'est ça la nouvelle façon de faire. L'autre chose, c'est que trois zones, c'est trop compliqué. Donc, pour le système de répartition, donc, on a simplifié ça. Il y aura deux zones, c'est-à-dire Saint-Denis et à l'ouest de Saint-Denis, puis à l'est de Saint-Denis. Donc, si tu es à l'est de Saint-Denis, ça va coûter 8 piastres. Si tu es à l'est de Saint-Denis, ça va coûter 8 piastres. Si tu es à l'ouest de Saint-Denis, ça va coûter 14 $. Donc, il y a des gens qui payent actuellement 6 $ qui vont payer 8. Il y a des gens qui payent actuellement 10 $ qui vont payer 8. Il y a des gens qui payent actuellement 10 $ qui vont payer 12. Puis, il y a des gens qui payent actuellement 12 $ qui vont payer 14. Donc, c'est par jour. Et c'est la première augmentation des vignettes journalières depuis 7 ans que c'est implanté, environ 7 ans. Donc, on ne les a jamais augmentées. Donc, c'est une augmentation pour certains, puis c'est une réduction de prix pour certains. Mais il y a un élément qui est aussi très important à prendre en considération, qui donne une réduction effective du prix, c'est qu'habituellement, si tu invites quelqu'un chez toi, puis qui arrive le soir, qui passe la nuit chez toi, ça y prend une autre vignette le lendemain parce que ce n'est pas la même date sur le gratteux. Et avec le parcomètre, ça va être un stationnement qui va être bon pendant 24 heures. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui arrive en après-midi va pouvoir rester jusqu'au lendemain ou l'utiliser sa vignette jusqu'au lendemain après-midi. Ce qui fait qu'il y a vraiment un bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas besoin d'acheter deux vignettes, qui vont pouvoir avoir juste une vignette. Donc, c'est un changement.
C'est quelque chose qu'on est en train d'implanter. On va avoir tout un plan de communication là, pour diffuser l'information aux citoyens. Ça va être en vigueur à partir du 1er novembre. Donc, c'est la petite nouvelle du jour que je voulais vous partager. Et si on, je ne sais pas quelle heure, on a le temps. On a le temps de continuer. Donc, je passerai la parole à Marie. Hey, je suis prête. Merci beaucoup. J'ai combien de temps? Tu as le temps qu'il faut, puis après, on va suspendre, puis après, on va changer de réunion, puis on va revenir à la réunion plus tard. Mais j'aime ça être rapide et concise pour quand il y a le temps de livrer les messages. Alors, j'aimerais vous parler. Vous avez sans doute vu dans les différents médias, que ce soit la télé ou dans les journaux, on en a même parlé à la radio, qu'il y a un projet qui a été déposé, un projet très, très préliminaire qui a été déposé à l'arrondissement du plateau Mont-Royal concernant le bâtiment 1 Van Horn. Alors, pour vous rappeler, vous replacer un petit peu, c'est le bâtiment qui a un château d'eau qui est situé coin Saint-Laurent et Van Horn. C'est probablement le bâtiment emblématique du plateau Mont-Royal et il fait aussi partie là, des bâtiments chouchous dans la ville de Montréal. C'est le seul château d'eau qu'on retrouve sur le plateau Mont-Royal et il en resterait très peu sur l'ensemble du territoire montréalais. Alors, cette annonce-là, en fait, le promoteur avait déjà annoncé le projet depuis plusieurs mois sur sa page, sur son site Internet, et il y a eu quand même beaucoup de réactions face à ça sur les médias sociaux, mais quand l'annonce a été faite sur les différents médias, disons que les gens se sont emballés, et il y a eu beaucoup d'inquiétudes, et c'est tout à fait normal, et on comprend ça parce que les gens n'ont pas vu le projet et ils ne savent pas où on en est justement dans le processus. Alors, juste vous mentionner que c'était une démarche qui était très, très préliminaire et il n'y avait rien d'officiel. Ils voulaient juste voir s'il y avait une certaine ouverture à trouver un nouvel usage pour ce bâtiment-là qui, en passant, sert d'entrepôt pour des documents depuis très longtemps, mais à l'origine, c'était un entrepôt qui servait pour des grains et puis des fruits et légumes et tout ça. Donc, il y a très peu de fenêtres. Je ne sais pas si vous le visualisez, là, donc ça limite beaucoup, beaucoup les usages. Alors, parmi les gestes qui sont posés, qui sont demandés, c'est bien sûr des ouvertures, un agrandissement des ouvertures, ce qui a inquiété plusieurs personnes. Alors, juste vous mentionner que, comme moi je vous l'ai dit, c'était très préliminaire et ce que je trouve très positif, c'est que ça a ouvert une conversation sur ce bâtiment-là qui nous semble éternel, qui est situé dans le Mile End depuis presque toujours. Donc, les gens commencent à en discuter, on entend toutes sortes de choses, les gens nous ont beaucoup interpellés à l'arrondissement et c'est cette conversation-là qu'on veut poursuivre. Donc, dans les prochains mois, les citoyens du plateau Mont-Royal et du Mile End seront interpellés pour un sondage pour voir quelle est votre vision sur l'avenir de ce bâtiment-là. Et le sondage va se décliner en plusieurs questions. Donc, je pense que ça va nous donner une façon de participer à l'avenir du quartier. Je trouve que c'est d'une façon très positive. Mais il y a quand même tout un processus. Ça, c'est un processus qu'on a décidé d'ajouter, une couche de démocratie qu'on a décidé d'ajouter parce que c'est un processus, si on devait aller de l'avant, il demande des dérogations pour pouvoir faire le projet, ce sera un projet d'hôtel. En fait, c'est ça qu'il prévoit. Alors, il y aurait beaucoup de dérogations et des dérogations, mais le processus réglementaire, ça implique qu'il y ait des assemblées publiques et les assemblées publiques peuvent mener à des ouvertures de registre et les ouvertures de registre peuvent mener à un processus référendaire et ce qui fait qu'en bout de ligne, le citoyen, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, lui ou elle qui ont le dernier mot. Donc, tout ça pour vous dire que on est vraiment de façon très préliminaire, que tout le monde sera écouté et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous faire entendre pour savoir comment voyez-vous ce bâtiment-là et comment voyez-vous son avenir. Alors voilà, c'était un petit message d'information. C'est tout pour moi. Merci. Marie, 3 minutes? 2. Parce que je reviens avec l'Aréna Saint-Louis et ses usages ludiques qui ont été bien appréciés depuis qu'on a lancé ça, donc les usages transitoires. Les usages transitoires de l'Aréna Saint-Louis, vous avez vu là, sport, tennis de table, badminton, ça a été très apprécié. La réponse, c'est-à-dire la fréquentation, était au-delà de nos attentes. Pour souligner ou pour amplifier tout ça, il va y avoir jeudi 13 octobre à 18h une soirée porte ouverte, festive, où est-ce que tous les citoyens sont invités à
à venir. Vos élus seront là, quelques-uns de vos élus seront là. Puis c'est ça, on va habiter cet endroit qui a dormi pendant longtemps. À partir de cette fin de semaine, le 10 octobre, possibilité de jouer au pickleball. Si vous ne savez pas ce que c'est que le pickleball, c'est vous mélanger tennis de table, badminton et tennis. Puis vous avez le pickleball, donc le 10, à partir du 10 octobre, à l'Arena Saint-Louis, sur la rue Saint-Dominique. Voilà, un autre usage transitoire qui s'ajoute aux autres. Et bienvenue à tous. Faites circuler, faites passer le mot là, pour la soirée de jeudi prochain. Marianne puis moi, on vous invite à jouer en double contre nous au badminton. Merci beaucoup. Puis je tiens à souligner le travail exceptionnel de Lynn Olivier et son équipe pour avoir réussi à aménager tout ça et à faire qu'un aréna fermé pour des questions qui a besoin de rénovation majeure qui puisse être utilisé pendant les par les citoyens là, pendant la période transitoire. Donc bravo et merci. Bravo l'équipe, oui. Nous allons suspendre la séance ordinaire. Nous reviendrons à vous, Mme Giguère, Mme Parent et M. Norris, par la suite. Alors nous suspendons à 19h14. Nous suspendons. Nous suspendons. Alors, la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 4 octobre 2022 est portant exclusivement sur le programme décennal d'immobilisation 2022-2032 est ouverte. Il est 19h15. Alors, nous allons adopter à l'ordre du jour l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 est portant exclusivement sur le programme décennal d'immobilisation 2023-2032. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 et portant exclusivement sur le programme décennal d'immobilisation. Adopté. Alors, je vous invite, M. le maire, à faire la présentation du programme décennal d'immobilisation. Je ne sais pas si on va avoir un prix du livre des records Guinness, parce que cet après-midi, on était en conseil municipal extraordinaire. Ce soir, on a 3 séances de conseil d'arrondissement, donc ça fait 4 dans une même journée. Je me semble que peut-être qu'on va avoir un record. Bon. Vous avez dit que vous... C'est ça, je fais la présentation, c'est parce que je ne la vois pas. OK, ça, c'est l'ordre du jour, donc j'ai le contrôle. Yes, OK. Donc, le programme décennal d'immobilisation, c'est la première partie, puis ensuite, on va discuter du budget de fonctionnement. C'est quoi le programme décennal d'immobilisation? Avant, on l'appelait programme triennal. Il était sur 3 ans. Là, on essaie de voir sur 10 ans d'avance pour mieux planifier nos investissements. Donc, justement, ce sont des investissements dans les immobilisations, là, c'est-à-dire que c'est soit des infrastructures, soit les immeubles. C'est vraiment des infrastructures, du dur, en fait, qu'on utilise. Ce n'est pas du fonctionnement. Donc, ce n'est pas le salaire des employés. C'est vraiment les projets de réaménagement de rue, par exemple, qu'on va faire, ou de rénovation d'immeubles. Il va y avoir des exemples qui vont venir un peu plus tard. Donc, ça sert à investir dans nos immobilisations. Ça sert à maintenir la qualité de nos actifs. Nos actifs, c'est nos rues, nos trottoirs, nos immeubles, nos parcs. Donc, c'est nos espaces publics. C'est ça qu'il faut qu'on maintienne et c'est une de nos responsabilités premières de s'assurer qu'on entretient bien nos équipements collectifs et nos infrastructures. Et ça peut aussi servir à soutenir du développement dans des secteurs stratégiques. Je vous donne des exemples. On a mis réaménagement des parcs, réfection des rues locales et des bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres exemples là-dessus? Non. Bon. Donc, c'est grosso modo, je pense que vous comprenez le principe. Le budget de fonctionnement, c'est vraiment l'électricité, le chauffage, les employés. Si vous pensez à votre maison, là, le budget de fonctionnement, c'est vos coûts Hydro-Québec, téléphone, Internet, chauffage, bon, tout ça. Et vos coûts d'immobilisation, bien, c'est quand vous changez vos fenêtres, vous refaites le toit, vous refaites l'escalier. Donc, c'est les budgets d'immobilisation. En général, ça se finance par emprunt. Dans votre maison, si vous ne le financez pas par emprunt, c'est parce que vous avez des bonnes économies. Nous, à l'arrondissement, on finance par emprunt nos immobilisations, sauf exception. Donc, le budget, vous le voyez sur 10 ans, en fait, c'est je ne sais pas ça fait combien de décennies qu'on a le même montant
4 695 000. C'est ça qu'on a par année pour nos investissements depuis, je dirais, au moins 20 ans. Puis c'est ça, pour l'instant, qui est prévu pour les 10 prochaines années. Même si les coûts ont augmenté, etc., nous, notre budget, il ne change pas. C'est ça qu'on a par année. C'est comme ça dans tous les arrondissements. Ça, c'est notre budget à nous, l'arrondissement d'investissement. Mais évidemment, il y a des investissements qui sont faits par la Ville-Centre sur notre territoire. On refait le parc La Fontaine, on a refait le Théâtre de Verdure, on est en train de refaire l'avenue des Pins. Ce n'est pas le budget d'arrondissement, c'est le budget de la Ville-Centre. Ce sont des investissements dans le plateau. Nous, ce qu'on a, c'est ce budget-là qu'on sépare en trois grandes catégories. Donc, nos parcs, nos infrastructures, donc rues, trottoirs, ruelles et nos immeubles. On a mis, si vous avez, parce que je vois que M. Pagé est dans la salle, si vous avez une perspective historique, vous allez voir qu'on met davantage dans nos immeubles parce que nos immeubles sont dans un état où ils ont besoin de beaucoup d'entretien si on veut être capable de les garder actifs et au service des citoyens. Donc, dans ce qui est prévu à court terme, dans les investissements de l'arrondissement, l'utilisation de notre PTI. Et des fois, les projets, comme l'Arena Saint-Louis, qui est le premier qui est là, c'est des projets où il y a deux parties qui investissent. C'est-à-dire que la ville investit une partie du budget et l'arrondissement doit aussi mettre une partie du budget. L'Arena Saint-Louis, c'est un bon exemple. La ville paye beaucoup plus que nous parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Mais l'arrondissement doit mettre un montant quand même important de son programme décennal d'immobilisation. On a la piscine Lévesque, dans laquelle on a des travaux à faire. On a la piscine Schubert, qu'on est en train de faire des travaux de mise aux normes d'accessibilité universelle, qui sont financés en grande partie aussi par la Ville-Centre. Donc, vous voyez là les immeubles sur lesquels on doit mettre des investissements à court terme, pas dans 10 ans, là, dans l'année ou dans les deux années qui viennent. La piscine Baldwin est là, et ça, c'est un autre exemple qui est financé plus par la Ville-Centre, mais dans lequel l'arrondissement doit mettre beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est le programme des bâtiments. Celui sur les infrastructures, bien, on a régulièrement des programmes de réfection de la chaussée. Donc, on entretient nos rues. Là, on en fait quelques-unes par année, quelques dizaines de mètres par année. On a des réfections mineures de trottoirs. À chaque année, on fait des réfections de trottoirs. Et on a nos ruelles vertes. On en faisait 8 à 10 par année avant. On est autour de 5 maintenant parce qu'on se garde une partie de notre budget pour faire l'entretien des ruelles existantes. On a une centaine. Donc, on veut s'assurer. C'est la même logique là, pour les ruelles, pour les saillies de trottoirs. On en a plein, elles sont magnifiques, mais il faut s'en occuper. Donc, on essaie de ralentir un peu les ajouts pour être capable de prendre soin de celles qu'on a déjà faites et s'assurer qu'elles sont en bon état. Réaménagement des parcs, donc on a le champ des possibles des contaminations qui devrait commencer, le chemin Guilford qui est déjà annoncé qu'on va être en travaux l'année prochaine, le parc Lucia Kowaluk qu'on va réaménager en 2023 et le terrain de soccer du parc Sir Wilfrid Laurier qu'on va commencer en 2023, probablement plus la partie plan de vie, etc., mais les travaux physiques sont en 2024. Je m'en rappelle, c'est bon. Donc voilà. C'est la présentation et là, on a la période de questions, c'est ça? Oui. Spécifiquement alors, sur le programme décennal d'immobilisation. Alors, à 10h03, nous avons la période de questions et requêtes du public. Comme l'a dit le maire, nous avons des questions soit en présentiel ou en ligne. Alors, ceux, les gens dans la salle qui sont intéressés à poser une question sur le PDI seulement, je vous invite à vous avancer au micro et poser votre question. Oui, bonsoir. Merci de votre travail. Moi, je viens à titre individuel et joueur de hockey, et non pas pour Montréal pour tous, comme je fais à la Ville-Centre. C'est ça. Pouvez-vous revenir sur les chiffres, là, parce qu'il y avait deux fois un 1000 puis un moins 1000, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi, ça, dans le programme de réaménagement des parcs bruts et fonds de parcs? C'est pas... Ça veut-tu dire qu'il y a zéro? Non, ça veut dire que ce fonds-là s'alimente avec le fonds de parc. Donc, quand on réalise des projets de développement sur le plateau, bien, il y a une contribution des développeurs à notre fonds de parc et on arrive à autofinancer nos investissements dans les parcs avec le fonds de parc. Oups. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, vous me corrigez, OK? Voilà. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez investir? Je pensais que c'était ça, votre question. Non, mais celle que j'ai envoyée. OK, oui, allez-y. On a le droit juste à une? Moi, ma question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous investissez dans le hockey?
à la fois l'aréna, mais aussi dans les patinoires extérieures. Je vous demande ça parce que nous, v'là 10 ans, on était au coin de Laurier et Saint-Dominique, une gang, jouions au hockey souvent. Puis là, l'administration ferrandaise nous a convaincus qu'on devait aller ailleurs parce qu'il y avait une demande pour le foot. Puis le soccer, c'est plus populaire. Ça fait que nous, on s'est un peu tassés. Mais en même temps, pendant toutes ces années-là, on a réclamé un élargissement de la patinoire, au moins un banc pour mettre nos patins avec un abri. Puis ça, pour toutes sortes de raisons, là, ça ne s'est jamais fait. Puis à deux pas de la patinoire, je vois un beau container pour les vélos. Je dis, oh, ça serait bien pour nous à côté de la patinoire. Fait que c'est ça, je voulais savoir au niveau de... Mais même s'il est plus petit, on pourrait commencer par ça. Mais dans le fond, moi, c'est quel est l'investissement dans le hockey, sachant que beaucoup de jeunes qui viennent aux patinoires extérieures depuis 2 ans, moi-même, je suis parti parce que je me suis dit, je peux venir l'après-midi quand il y avait 18 remplaçants qui attendaient sur le bord de la bande. Donc, c'est ça le sens de ma question. Ouais. Donc, on n'est pas capable de vous donner un budget par activité, comme combien on met pour le hockey. On n'est pas capable de répondre à ça, mais je peux vous dire que dans le Mile-End, il y a une patinoire sur le terrain de Gaspé que vous connaissez bien. Là, la patinoire est là. L'idée de mettre un petit conteneur ou un genre de cabane pour que les gens puissent changer, vous la soumettez ce soir, on va regarder voir si c'est possible, faisable, etc. L'autre option qu'on regarde, c'est comment on pourrait faire de la place pour les petits quand ils vont sur une patinoire où les grands jouent, ils n'ont pas de place, eux autres. Ils ne peuvent pas jouer au hockey. Sauf quand les grands ne sont pas là. Donc, on regarde la possibilité d'ajouter, dans le Mile-End, une patinoire avec des petites bandes, plus petites, pour que les enfants puissent jouer au hockey, eux aussi. On est en train d'analyser l'option 77B. Si c'est faisable, on va le faire. Si ce n'est pas faisable, on ne va pas le faire. C'est ça qu'on est en train d'analyser. Fait que c'est ça que je peux vous répondre ce soir-là, spécifiquement. Et vous avez vu, dans nos projets d'investissement, on va rénover l'Aréna Saint-Louis. Donc, ça, c'est quand même un engagement d'investissement majeur pour le plateau et notamment les gens dans le Mile-End. Le premier, là, Aréna Saint-Louis. En termes de chiffres, vous ne l'avez pas là parce qu'on est dans le montage financier. C'est un montage financier ville-centre arrondissement, mais le montage financier est confirmé. Donc, on est à plus que 12 millions, en grande partie financé par la ville. Là. Donc, on est dans les derniers. On a donné le contrat plein de vie. Dans les jours qui viennent, on donne le contrat final pour finaliser les plans de vie, pour être capable de... Donc, on va donner le contrat pour être capable d'amorcer les travaux là, dès 2023 sur l'Aréna Saint-Louis. Mais c'est un projet d'au moins 12 millions. Rien? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui aimeraient poser une question sur le PDI? Allez-y, madame. Une autre question tout à l'heure. Celle-ci, elle compte pas. Là, vous avez droit à une question par réunion. OK. je sais que vous parlez du 60 000 tonnes. La maison du jardinier, quelle bonne idée, hein, parce qu'elle a besoin de tomber. Ma question concerne le jardin Notman. Ce jardin-là, il a été protégé de la privatisation par une grosse mobilisation de citoyens il y a quelques années. Et il est vraiment dans un état très piteux. On sait qu'il est rempli de déchets, de détritus, les arbres sont cassés. Il y aurait vraiment besoin de beaucoup d'amour, ce jardin-là, et qu'on puisse en profiter un peu. Mais à la place, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez fait comme toute une espèce d'aménagement alentour qui se trouve à cacher le jardin, mais qui n'est pas bien beau, là. T'sais, c'est tout à fait des structures hétéroclites, des plantes plus ou moins... Il y a des bétons, il y a des blocs en béton bleu on a assez de béton dans la ville sans en rajouter. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout cet argent-là? On prend pour faire un aménagement autour
du jardin pour le cacher, finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cet argent-là pour faire la réfection du jardin Notman, qui est un patrimoine? Je vais laisser ma collègue Maïva Villain répondre. Je veux juste rappeler que ce terrain-là, c'était un terrain privé que les citoyens ont réclamé. Il y a eu une mobilisation citoyenne importante, mais que la ville, avec l'arrondissement, a acheté. Donc, nous, on l'a acheté pour le protéger. Et là, on amorce l'étape de démolir la maison du jardinier, mais je vais laisser Maïva compléter. Oui. Bonsoir tout le monde. Désolée pour le retard. J'étais à l'illumination de la murale en hommage à Jean-Paul Riopel, qui est magnifique. Donc, merci Madame Michaud pour votre question. Donc, le projet qui est devant le jardin Notman, ça vient d'une demande citoyenne. Donc, il y a un groupe de citoyens du secteur Milton Park qui a voulu investir de leur temps et de leur énergie pour embellir leur quartier. Et aussi, on avait eu avec Alex Norris des plaintes des gens qui vivent sur la rue Milton devant l'aménagement, notamment au niveau des chaises et qui attiraient de la faune nocturne et que c'était difficile. Donc nous, on a travaillé avec ces citoyens pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et c'est là qu'on a décidé de faire un projet d'agriculture urbaine avec notamment des bacs en accessibilité universelle pour permettre aux aînés et aux personnes à mobilité réduite de jardiner. Des garderies du quartier l'ont utilisé. Et c'est un projet à très faible coût. Que vous le sachiez, c'est un projet qui a été porté essentiellement par des bénévoles. Donc, ce n'est pas un projet avec des coûts importants. Donc, pour ce qui est du jardin Notman, donc, comme vous le savez, c'est un site très sensible parce que c'est à la fois des arbres centenaires et, vous le savez très bien, c'est un secteur très sensible. Donc, il faut qu'on mène à bien la réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut, en même temps, l'ouvrir au public tout en protégeant le patrimoine exceptionnel qu'il y a là. Donc, on y va par étapes. Là, il y a eu l'évaluation de la maison du jardinier. On a décidé, il a été décidé, suite à des réflexions importantes, de ne pas garder cette maison-là. Il y a eu des fouilles archéologiques aussi qui se sont faites dans le jardin Notman, là aussi, pour savoir quoi garder. Donc, c'est vraiment un site particulier qu'on va prendre soin de faire les choses comme il faut. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce sont vraiment deux projets qu'on mène en parallèle. Ce n'est pas les mêmes budgets. Oui, merci, Maria. Exact. Ouais, donc, ouais. Ça me permet de donner un exemple de la différence entre notre budget d'investissement et notre budget de fonctionnement. Les aménagements qui sont faits devant le jardin Notman, c'est dans notre budget de fonctionnement, c'est des sommes minimes. Quand on va refaire, si on réaménage le jardin, bien là, ça serait dans le budget d'investissement parce que ça serait des sommes beaucoup plus importantes et ça serait des investissements sur du long terme. Voilà. Donc, je pense que ça met fin à cette séance du... Oui? C'est pas terminé. Ah oui, faut qu'on l'adopte. Juste avant, on n'a pas terminé la période des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient poser une question sur le PDI? Alors, nous avons une question en ligne également. Est-ce que c'est vous? Elle a été posée, oui, c'est ça. C'est M. Pagé qui est venu la poser. C'est vous, donc c'est la même question. Ai-je besoin de la relire? Non. Ça va aller. Alors, nous avions une question de M. Pagé en ligne. Donc, nous allons passer outre. Alors, nous sommes à l'article 10.04, période de questions des membres du Conseil sur le PDI. L'article 30.01, adoption de la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisation pour 2023-2032 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisation pour 2023-2032 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, tel que déposé. Adopté. Et le dernier article 70.01, levée de la séance. Est-ce que je propose quelque chose? Ah oui. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Maïva Villain, de lever la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 et qui a porté sur le programme décennal d'immobilisation 2023-2032. Il est 19h33. Alors, la séance extraordinaire est terminée. Deux. Ça fait deux. Nous passons à la deuxième séance extraordinaire. Alors, la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 4 octobre 2022 et portant exclusivement sur le budget 2023 de l'arrondissement
est ouverte. Il est 19h33. Alors, à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 et portant exclusivement sur les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice financier 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 et portant exclusivement sur les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice financier 2022. Adopté. Alors, je vous invite, M. le maire, à faire la présentation du budget de fonctionnement 2023. Donc, là, on est dans le budget de fonctionnement. C'est le budget beaucoup plus important de l'arrondissement. Le budget d'immobilisation, c'est environ 5 millions. Le budget de fonctionnement, on est dans le 57 millions. Donc, c'est un budget beaucoup plus important. C'est la place Fleur de Macadam, la magnifique place des Fleurs de Macadam. Donc, la réalisation de la place Fleur de Macadam a été faite dans le cadre de notre budget décennal d'immobilisation de 2022. Donc, le budget de fonctionnement, bien, je l'ai un peu expliqué là, quand j'expliquais le budget décennal d'immobilisation. Là, donc, ça sert à payer la rémunération, donc nos employés qui vous offrent des services. Là, donc, c'est une grande partie de notre budget, c'est les salaires. On est une organisation qui fait des services aux citoyens, donc c'est normal. C'est les achats de biens et services. Donc, on a différents contrats qu'on donne. On achète de l'équipement, du matériel, etc. Et c'est aussi des contributions financières parce qu'on gère des fonds et on donne des subventions à différents organismes. Donc, ça rentre dans notre budget de fonctionnement. Ça, c'est l'argent qui sort et l'argent qui rentre. Donc, d'où vient l'argent? Bien, on reçoit une partie. La plus importante partie de notre budget de fonctionnement nous vient de la Ville-Centre. Donc, c'est la Ville qui décide qu'il y a, il y a un système là, préétabli qui distribue les fonds de la Ville aux différents arrondissements en fonction de différents critères. Donc, on reçoit une partie des transferts de la Ville. Une autre partie, c'est l'espace fiscal local. Donc, tous les arrondissements ont une taxe locale, donc la taxe locale sur les services. Donc, ça, c'est une partie qui sont dans nos revenus. Et on a d'autres revenus de sources locales qui sont les permis qu'on a. Il y a beaucoup de travaux. Les gens du plateau rénovent, prennent soin de leurs immeubles, de leurs bâtiments. Donc, il y a beaucoup de travaux dans le plateau. On a une occupation du domaine public. Donc, les gens, ils payent pour utiliser les domaines publics. On a des événements dans le plateau plus que partout ailleurs, sauf Ville-Marie. Donc, il y a beaucoup d'événements dans le plateau. Ça nous rapporte des revenus. On a des vignettes de stationnement. Ça aussi, c'est une source de revenus importante. Location de salles, inscription aux activités sportives. Donc, ça, c'est tous nos revenus locaux. Je vais mettre une petite note parce que je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Donc, les transferts sont déterminés par la Ville-Centre. Donc, ça, c'est notre cadre juridique là, dans lequel on fonctionne. Donc, la Ville-Centre détermine combien elle nous envoie. Le conseil d'arrondissement, on est tenu de déposer un budget qui est équilibré. On ne peut pas déposer un budget déficitaire. Donc, dans les municipalités, on ne peut pas faire de déficit. Dans les autres paliers, ils peuvent faire des déficits. Nous, on ne peut pas. Les surplus, donc si on a des surplus en fin d'année, c'est le conseil d'arrondissement qui détermine comment on va utiliser ces surplus-là. Et si jamais on se retrouvait dans une situation de déficit, bien, on pourrait devoir présenter un budget supplémentaire au comité exécutif et même éventuellement adopter une taxe spéciale pour le combler. Jamais arrivé. Donc, c'est juste que techniquement, ça pourrait arriver, mais on gère bien nos finances, on s'arrange pour pas que ça arrive. Et même pendant la COVID, où on a eu des situations vraiment imprévues, etc., on avait un coussin dans nos surplus qui nous a permis de faire face à la crise et on a toujours quand même un coussin là, qui nous permet de faire face aux imprévus. Le contexte budgétaire, donc, on reçoit de la Ville-Centre le même budget que l'année dernière, plus 2 % puis une petite partie sur… il y a un départage de revenus sur les permis quand il y a des travaux. Il y a une partie qui sont nos revenus, mais il y a une partie qui est un partage de l'assiette entre les différents arrondissements. Donc, la Ville a indexé nos transferts de 2 %, ce qui est quand même moins que l'inflation. Mais on a 2 % d'augmentation. L'année dernière, c'était 1. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est pas assez, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est mieux que l'année dernière. La croissance annuelle, dans le contexte, là, ça, c'est les enjeux qui sont hors de notre contrôle. On est dans un contexte d'inflation. Vous l'êtes.
vous le vivez. Quand vous faites votre épicerie, ça coûte plus cher. Tout ce qu'on achète coûte plus cher. C'est pareil pour nous. Donc, on est dans un contexte inflationniste. L'inflation en 2022, c'est autour de 8 %. Donc, ça touche quand même la réalité, le financière de tout le monde, mais aussi de l'arrondissement. Et on a, depuis quelques années, il y a des gens qui sont ici régulièrement à ce sujet-là, mais on a une augmentation importante des besoins en itinérance. Et nous, on n'a jamais eu les ressources pour faire face à ça. Notre équipe n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a doublé le nombre de personnes itinérantes que nous, on avait plus d'employés, plus de staff, de personnel pour y faire face. C'est une situation qui existe, qui est hors de notre contrôle, qui est dans notre conjoncture, l'analyse de la conjoncture qu'on fait. Le budget 2023, donc, on doit faire des choix. À chaque année, on doit faire des choix budgétaires. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est respecter les priorités, en fait, nos engagements. On a déposé une plateforme électorale quand on a été élu. On veut respecter nos priorités. On veut, et ça, on est vraiment un engagement, et avec Brigitte, la directrice d'arrondissement, Brigitte Grandmaison, on essaie vraiment de travailler pour voir comment on peut augmenter le niveau de service aux citoyens. Et dans ce budget-ci, on ajoute des ressources pour améliorer les services aux citoyens. Donc, on fait ce choix-là. On veut aussi répondre de manière plus adéquate aux besoins sociaux qui sont grandissants dans le plateau. Il faut qu'on s'ajuste. La réalité, elle est là, puis on doit y faire face. Et on veut continuer aussi de maintenir l'appui à la vitalité de nos rues commerciales. Pendant les deux dernières années, on a renoncé aux revenus des cafés-terrasses, ce qui est important comme revenu pour l'arrondissement. On a investi des sommes importantes dans la piétonnisation de l'avenue Mont-Royal et moins importantes dans l'avenue du Lutte parce que c'est un projet de moins grande envergure, mais on veut continuer à appuyer le dynamisme de nos rues commerciales, donc il faut qu'on en tienne compte dans notre budget. Donc là, c'est ici que je vous explique tout. Donc, je vais essayer de faire ça de manière la plus simple possible. Là, vous avez la réalité. Quand nous, on l'a, la colonne cadre financier initial, c'est ce que nous, on a comme… Ah, il y a une ligne qu'on ne voit pas, hein, je pense. Parce que normalement, la ligne de gauche est déficitaire. Bon, je vous la dire, je la sais presque par cœur. Donc, on arrive dans le cadre financier initial, là, la première colonne, celle qui commence par… Bon, où on a le budget 2022, ce qu'on avait, on a nos obligations légales et contractuelles, ce qui est essentiellement les indexations salariales de nos employés. Donc ça, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui le décidons. Il y a des conventions collectives, les salaires augmentent partout, incluant chez nous. On a des ajustements corporatifs. Ça, c'est vraiment des ajustements ville-centre. Il y a des choses que la ville-centre nous rembourse, il y a des choses qu'on paye. Au final, ça va nous coûter 306 000 de plus en 2023, qu'est-ce que ça nous coûtait en 2022. Et là, la prochaine, c'est celle que, quand je vous disais, on va améliorer nos services, bonification des activités. On ajoute 805 000 $ pour améliorer les services aux citoyens. Essentiellement, on ajoute du personnel pour les permis. On a des délais de livraison de permis dans le plateau quand même importants. On sait que c'est long, donc on veut améliorer ça. On ajoute des personnes. Je veux dire, on a beaucoup, beaucoup de demandes. On a une petite équipe. Bien, il faut renforcer l'équipe parce que les gens ils arrivent pas à suivre le rythme parce qu'il y a trop de demandes. Donc, on va renforcer nos équipes, on ajoute des ressources. L'autre chose qu'on ajoute, c'est qu'on a aussi investi davantage d'argent dans la brigade propreté. Donc, on a une brigade propreté qui complète le travail de nos cols bleus parce qu'on a des enjeux, je ne vais pas l'apprendre à personne ici, de maintien de la propreté dans le plateau. Donc, on ajoute des ressources pour renforcer le service et on ajoute aussi une ressource en développement social parce qu'on dit croissance des besoins, il y a plus de besoins, on n'a pas plus de ressources, il faut qu'on fasse des choix. On va ajouter une personne pour nous aider à faire face à ces situations-là. Les citoyens et citoyennes veulent être partie prenante. On n'a personne pour s'occuper de ça. Donc là, on veut avoir une équipe plus forte parce qu'on a aussi là une petite équipe qui travaille fort, qui est dévouée, qui a le cœur à la bonne place, mais les défis sont trop importants. On veut renforcer. On va aussi envoyer le message à notre équipe. Merci d'être là. On veut aussi vous aider. Puis on va essayer de travailler ensemble à améliorer la situation pour tout le monde. Donc, c'est grosso modo ça. Je veux aussi souligner dans les revenus de moins qu'on va avoir,
il n'y aura plus de tarifs pour aller dans nos piscines publiques extérieures. Donc, ça a été gratuit pendant la pandémie. On a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, on va garder ça gratuit pour l'avenir. Donc, ça, c'est la partie en haut. Si je vais dans la partie en bas, donc en haut, c'est nos dépenses. En bas, c'est les sources de financement. Donc, vous voyez dans la colonne de gauche combien on recevait en 2022 de la part de la Ville-Centre. Et là, vous voyez dans la colonne de droite combien on va recevoir en 2023. Donc, c'est une indexation de 2 %. L'espace fiscal, donc vous voyez combien on recevait dans les taxes locales. Donc, sur un compte de taxes, la taxe locale, là, sur un compte d'un condo moyen sur le plateau, la taxe locale, la taxe serait de 3 000 la taxe locale, c'est 200 le total. Donc, c'est une petite partie de la taxe. On est à peu près à 5 %. La taxe locale, c'est 5 % de votre compte de taxe global. Donc, les taxes que vous payez, essentiellement, c'est des taxes de la Ville-Centre. Donc, nous, on va avoir un peu plus en 2023 qu'on avait en 2022. On a aussi des revenus de sources locales. On va avoir près d'1 million de plus en 2023 que 2022. Donc, ça, c'est l'occupation du domaine public. Pendant la pandémie, il n'y avait pas d'événement. Donc, nous, on a eu beaucoup de baisses de revenus. Pendant la pandémie, on n'avait pas de revenus de café-terrasse. On va en avoir éventuellement en 2023. Et grosso modo, c'est les ajustements qu'on a prévus là, en fonction de la reprise des activités. On sait que nos revenus vont augmenter. Et le dernier élément, l'année dernière, on était allé piger 937 000 dans nos surplus pour boucler le budget. Cette année, on va aller chercher 500 000 dans nos surplus pour boucler le budget. Mais je prends quand même la peine de souligner qu'on renforce les activités, les services aux citoyens de 800 000, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Donc, c'est quand même, c'est des choix qu'on fait d'équilibre. On utilise un peu de nos surplus, des surplus qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est de l'argent qu'on a disponible, qu'on utilise, qu'on affecte là pour boucler notre budget. Et ça nous donne un budget de 59 570, qui est, parce qu'on ne voit pas, mais qui est 4,5 % de plus que le budget 2022, qui s'explique en bonne partie parce qu'on ajoute des services. Donc, c'est essentiellement ça. C'est la même chose, mais dans des catégories différentes qui sont celles que vous voyez ici. C'est-à-dire que si vous voulez savoir à quoi sert l'argent de l'arrondissement, pour chaque dollar que vous payez en taxes, 37,7 cents est investi dans les parcs, les loisirs et la culture. C'est le plus gros poste de dépense de l'arrondissement. Le deuxième plus gros, c'est le réseau routier. Donc, l'entretien de nos rues sur le plateau. Puis ensuite, bien, vous avez aménagement, collecte, élimination des déchets, santé, bien-être, hygiène, etc. Donc, ça, 7 cents pour eau et égout quand même. C'est un montant important. Les faits saillants, pour essayer de vous résumer là, les éléments, j'ai essayé de le faire à mesure. Donc, on a un budget qui contrôle quand même les dépenses, donc on augmente moins que l'inflation. On a des obligations contractuelles légales sur lesquelles on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire les augmentations des salaires liés aux conventions collectives. On a un budget qui intègre 1,3 million dans des revenus de construction. Donc, on a un partage de revenus avec la Ville-Centre qui, auparavant, on les incluait pas dans le budget et on les recevait en surplus. Oh, pardon. On les avait en surplus en fin d'année. Là, on les a intégrés une partie dans notre budget, ce qui fait qu'on a un budget qui reflète davantage la réalité. On a un budget qui va maintenir la taxe locale en dessous de l'inflation et qui renforce l'offre directe aux citoyens, notamment sur les permis. Je vous ai déjà dit ça. Donc, on veut investir donc, dans la santé, solidarité, équité, inclusion sociale. C'est le poste qu'on ajoute en développement social. On va continuer à investir dans nos rues commerciales. Et on va continuer, bien sûr, les projets sur lesquels on travaille, d'espaces verts, d'enracinement de la nature en ville, nos ruelles vertes, nos saillies, etc. Plantation d'arbres, on en fait presque 1 000 par année. Donc, ça, c'est des éléments qu'on continue année après année. Aujourd'hui, on adopte le budget en arrondissement.
Le 29 novembre, on doit déposer les budgets d'arrondissement au comité exécutif de la ville pour l'adoption du budget du conseil municipal à la mi-décembre, et ensuite qui va être approuvé par le conseil d'agglomération. Ça vous donne la synthèse de notre budget, 59 570 600. C'est le budget annuel du plateau dont nous avons la responsabilité. Et vous voyez les quatre sources de revenus. Donc, une partie de la ville-centre, une partie de la taxe locale, une partie des revenus autonomes de l'arrondissement, là, les vignettes, occupation du domaine public, émission de permis pour des travaux, etc. Et une partie qui est l'utilisation de nos surplus. Merci. Et période de questions. Alors, nous continuons à l'article 10.03, période de questions et requêtes du public. Alors, comme dans le programme décennal d'immobilisation, j'invite tous ceux et celles qui aimeraient poser une question à se présenter au micro et poser votre question portant sur le budget uniquement. Un peu gêné de revenir encore parler de hockey, mais j'essaye de changer ma question que j'ai envoyée par Internet pour tenir compte de ce que vous m'avez dit dans le PDI. Moi, ce que je voulais savoir, c'est dans le 32,7 cents par pièce, est-ce qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre? Moi, je vous demande ça parce qu'on a eu un bon accueil par Marie Sterlin, puis je pense aussi Mme Villain, d'un projet qu'on voulait faire autour de la patinoire de Gaspé. Qui, en passant, j'invite tout le monde à aller voir ça. C'est une des plus belles patinoires à Montréal parce qu'il y a une immense murale. Mais notre patinoire est petite, elle n'est pas standard. Depuis plusieurs années, on dit hey, vous êtes capable de trouver 8 bandes de plus pour. Je pense que cette année, c'est avec ce que vous dites pour aussi la patinoire. Ça, j'ai bien aimé ça, là, comment vous disiez ça, une petite patinoire. Mais peut-être la petite patinoire, ça serait moins compliqué de la faire dans celle qui existe de Gaspé et que nous, les hockeyeurs, on aille au 77 parce qu'il y a déjà une surface plane en ciment. Mais en tout cas, vous regarderez ça. Mais en tout cas, quelle que soit l'option, je pense que cette année, là, c'est vraiment notre année pour ajouter quelques bandes qui ne pèteront pas votre budget. Puis en passant, je voulais remercier Mme Olivier puis les employés, parce que moi, j'y vais assez souvent. Puis un soir, je suis allé là, je ne sais pas comment ça se fait, à minuit. Il y avait deux femmes qui étaient en train de nettoyer le long des bandes avant que les machines partent. Donc, de ce côté-là, les gens sont satisfaits, mais les petits ajustements. Puis dans notre projet aussi, il y a une idée de faire un petit corridor glacé entre les deux patinoires. Ce serait bon pour les familles, puis ça ne coûterait pas trop cher. Donc, notre directeur travaux publics, François Doré, a noté ça pour voir on est-tu capable de trouver 8 bandes dans notre budget. Mais vous avez les bonnes interlocutrices là, avec Maëva Villain et les deux Marie, qui sont les conseillères du Milan, pour voir qu'est-ce qui est possible. On est toujours ouvert d'entendre des idées qui permettent d'améliorer les situations puis qui ne nous coûtent pas 14 millions. T'sais. Donc, on est à la recherche de ce genre de choses-là. Puis, si on est capable, on va le faire. Là, je veux dire, c'est ça notre. Quand c'est possible, on le fait toujours avec grand plaisir. Venez nous voir jeudi, M. Pagé, jouer au pickleball. Si vous gagnez le pickleball, c'est une bande par match. Former une équipe. On en parlera. Je me concentre juste sur un sport. Non, Pierre, c'est pickleball. OK, je vous laisse voir s'il y a d'autres questions. D'autres personnes, monsieur, vous pouvez vous avancer au micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis résident de Milton Park. J'avais une question par rapport au budget. Comme vous savez, notre quartier a une certaine crise depuis l'avenue, entre autres, d'Open Door, qui s'occupe de la clientèle itinérante et autochtone. Vous parlez de services sociaux. Combien vous investissez en 2022 et combien en 2023 pour ce centre-là? En fait, on n'investit pas pour Open Door. L'argent qu'on garde ici, c'est qu'on crée un poste dans notre équipe, dans l'équipe de développement social. Donc, ce n'est pas des sommes qui sont destinées à des organismes. C'est des sommes qui sont destinées à augmenter notre équipe dans l'arrondissement. Donc, ni la ville-centre, ni l'arrondissement n'investissent dans ce centre-là, ne donnent de subventions.
Je ne pourrais pas dire ça. Je pense que Open Door a un financement à la fois du réseau de la santé et de la Ville-Centre en itinérance. En ce moment, on n'a pas de financement, nous, en cours, je pense, avec eux, Mme Olivier. Pas l'arrondissement. L'arrondissement, pas de financement en cours avec Open Door. Nous, on a un financement en cours avec le Centre Amitié Autochtone pour l'équipe médiation. Et on avait, avec Médecins du Monde, avec la Ville-Centre, puis Ex-Echo. Oui, il y a Connexion, mais il y a plusieurs parties prenantes. Mais de financement d'arrondissement? Non. Oui. Bien, on a un financement qu'on partage avec la Ville pour de l'intervention auprès des personnes autochtones en situation d'itinérance qui est piloté par l'organisme Ex-Echo. Nous, on a un petit montant, je pense qu'on met 5 000, puis la Ville-Centre met 60 000, j'y vais de mémoire. Et on a quand même un montant important avec Centre Amitié Autochtone pour la médiation. Pas dans Open Door, seulement la Ville? Pas dans Open Door, non. OK. Merci. Si je peux juste compléter, on a aussi un gros contrat avec le gîte pour nettoyer la devanture des commerces sur l'avenue du Parc. On a une brigade de propreté. Vous liez ça à Open Door, autrement dit. Pardon? Vous liez ça à Open Door. J'ai posé une question strictement sur Open Door. Je ne comprends pas votre réponse. Bon, dans le fond, c'est pour compléter les informations par rapport au budget d'arrondissement dans ce secteur précis. Oui, mais je parlais d'Open Door précisément. Merci. Ouais, donc, on n'a pas de contribution en cours. Allez-y, monsieur. Allez-y. Présentez-vous au micro. Donc, bonsoir. Donc, vous avez présenté les deux budgets, en fait, budget immobilisation et budget fonctionnement. Donc, les proportions seront à peu près 11 fois plus grands, les budgets de fonctionnement 11 fois plus grands. Et pourtant, récemment, en fait, on parlait de ça, par exemple, hier, dans la soirée électorale, à Montréal, il y aura des grands investissements pour l'infrastructure. Donc, on parlait de 5 milliards de dollars sur quelques années. Donc, M. Fernandez, d'ailleurs, on parlait de ça hier. Et puis, moi, je voudrais comprendre simplement, vous restez avec 4 millions depuis des années, et puis pour les années prochaines, ça a l'air... C'est comme ça. Donc, tous les investissements qui vont se faire à Montréal vont se faire par la Ville-Centre. Il n'y aura pas de changement parce que, d'après moi, il y a un grand besoin d'investissement dans l'infrastructure et pas seulement dans le fonctionnement. Donc, ces milliards de dollars qui vont être dépensés à Montréal, est-ce qu'on veut dépenser seulement par la Ville-Centre ou elles vont être aussi, il y aura des augmentations de budget d'immobilisation dans les cadres des arrondissements? La présidente du comité exécutif actuel, Mme Dominique Olivier, a annoncé qu'elle enclenchait une démarche de réforme de financement des arrondissements. Donc, l'idée, c'est de revoir complètement le modèle de financement et de partage des revenus entre la ville et les arrondissements, premier élément. Le deuxième élément, c'est plusieurs de nos projets d'investissement impliquent d'autres partenaires financiers. Donc, oui, la Ville-Centre en premier, si on parle d'investissement dans nos rues, par exemple, ou même dans nos immeubles, souvent la Ville-Centre, mais aussi on se qualifie parfois à des programmes de soutien pour des immeubles communautaires qui peuvent provenir du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial. Donc, nous, on utilise notre 4,695 millions souvent comme levier pour aller chercher des financements des autres paliers de gouvernement. On a refait, pour vous donner un exemple concret, on a refait la rue Rivard en 2022, un projet d'environ 1 million, une rue très large à proximité d'une école, de la station de métro. Donc, on réduit, on ajoute une bande de plantation d'arbres. C'est un projet qui nous coûte 1 million. Finalement, on a déposé une demande au gouvernement fédéral. On va chercher 800 000 en subvention. Donc, il va nous coûter au net 200 000. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire pour être capable d'augmenter notre enveloppe d'investissement, de s'en servir comme un levier. Mais c'est clair qu'on n'est pas les seuls. Plusieurs arrondissements considèrent que ce n'est pas normal que notre budget d'investissement n'augmente pas. Et il faut qu'on arrive aussi à rendre plus visibles les investissements de la Ville-Centre dans les arrondissements, parce que c'est des investissements importants.
Parc La Fontaine, Parc Jeanne-Mance qui s'en vient, Théâtre de Verdure, Avenue des Pins, Le Rêve Saint-Denis. On pourrait faire la liste. C'est juste que vous ne les voyez pas quand on vous présente le budget, parce que nous, on vous présente le budget d'arrondissement. Donc, il faut arriver à être capable de mieux rendre visibles ces éléments-là, mais on a aussi besoin d'une réforme du financement des arrondissements. C'est une autre personne qui aimerait poser une question sur le budget. Nous avons une question en ligne également qui était de M. Paget. Alors, je comprends que c'est la même question, M. Paget. Alors, ça termine sûrement la période des questions. Passons à l'article 10.04, période des questions des membres du Conseil. 30.01, adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice financier 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter les prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice financier 2023, tel que déposé. Et le dernier article, 70.01, levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Maëva Villain, de lever la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022 et qui a porté sur le budget 2023 de l'arrondissement. Il est 19h58, alors la séance extraordinaire portant sur le budget est terminée. Nous revenons à la séance ordinaire. Nous reprenons donc à 19h59. Et nous en étions au mot des élus. Alors, je vous laisse poursuivre et terminer avec le mot des élus. Ouais. Donc, on est rendu à gauche pour le mot des élus. Donc, il nous reste Laurence. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, rapidement, trois petites annonces en culture. Je voulais vous parler d'un appel à projet de résidence artistique pour les maisons de la culture à travers la ville de Montréal. Donc, c'est ouvert aux artistes, aux collectifs, également aux compagnies d'artistes professionnel. Donc, c'est autant pour développer un projet, bien entamer, faire de la recherche ou encore pour finaliser un projet. Et la date limite est le 16 octobre. Donc, c'est très bientôt. Donc, si ça vous intéresse ou vous interpelle, je vous invite à visiter le site Internet de la ville ou encore l'infolettre de l'arrondissement. Deuxième chose, c'est le programme de soutien aux activités culturelles, qui est vraiment notre programme sur le plateau pour toutes les initiatives culturelles qui ont lieu sur le domaine public, donc dehors. On pense beaucoup aux activités qui se passent l'été, mais on souhaite avoir des propositions pour vraiment toutes les saisons. Donc, si l'hiver vous enchante, ou vous souhaitez être plus enchanté par l'hiver, bien, c'est vraiment bienvenu. Là, on veut offrir aussi des activités sur le domaine public en hiver. Donc, ce programme-là, en fait, c'est une enveloppe de 105 000 $ qui va être distribuée pour plusieurs projets, comme à chaque année. Et la date limite, c'est le 4 novembre. Donc, encore une fois, l'information est en ligne. Et finalement, je voulais simplement souligner que c'est le mois de l'accessibilité universelle dans le réseau des bibliothèques de la ville de Montréal. Donc, plusieurs ateliers, conférences, une belle offre. Encore une fois, l'information est en ligne. Et je voulais mentionner que sur le plateau, on va avoir la chance d'accueillir une conférence clownesque en langue des signes québécoise à la bibliothèque Mordecai-Richler le 22 octobre prochain à 14h. Et c'est vraiment ouvert à toute la famille, là. Même pour les enfants, la conférence va être en LSQ. Donc, tout le monde est bienvenu. Merci, Laurence. Marianne? Oui, merci. D'abord, bonne nouvelle. Vous savez, dans le plateau, on a un pas pire réseau cyclable. Là, si on se compare avec d'autres arrondissements où il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on va le faire, premièrement. Deuxièmement, au plateau, on complète des petits liens manquants qui peuvent être simples, mais qui peuvent être vraiment structurants, qui peuvent vraiment changer les possibilités de déplacement des gens qui veulent utiliser le vélo. Et ces deux liens attendus, le premier, c'est sur Villeneuve, où en ce moment, on a un double sens cyclable qui s'arrête à Clark, du côté ouest de l'arrondissement. On va compléter entre Clark et le Rêve sur Saint-Denis. Donc, il y aura possibilité de circuler à vélo là, en direction est, ce qui est actuellement pas possible. Et ça va vraiment comme
désenclaver un secteur. Et l'autre lien cyclable qui s'en vient, c'est sur la rue Clark, donc entre Rachel et Milton. En ce moment, quand on descend la rue Clark à partir de tout en haut de l'arrondissement, là, c'est le lien qu'on peut prendre à partir du viaduc sur Saint-Laurent, ben on va le compléter, donc on va pouvoir se rouler dans les deux directions en vélo de Milton à Rosemont, la petite patrie, toute fin pratique. Donc, c'est des réalisations qui seront complétées au courant du mois. Là. On les attend autour du 15 octobre à peu près. Donc, on est très content de ça, d'ajouter des possibilités cyclables dans l'arrondissement. Et l'autre chose que je voulais... Ah, bon, merci. Quand je vous dis que certains liens sont attendus, donc, mais on est très contents aussi. Et aussi, dans le domaine de la sécurisation des déplacements, on a un point ce soir où vous allez voir qu'on va déposer des demandes de subventions auprès du gouvernement provincial qui a un programme, là, qui a un beau nom, le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Et donc, on a développé, l'arrondissement a travaillé à développer trois beaux projets pour lesquels on va aller demander avec bonne confiance de l'obtenir là, des subventions. Donc, pour retravailler l'intersection Rachel-Frontenac. Donc, c'est une grosse intersection. Il y a beaucoup de piétons qui passent là. Il y a quand même une école qui n'est pas très loin. Donc, on veut faire des grosses saillies pour ralentir la circulation, donner plus de place aux piétons. Aussi, sur Rachel, un peu plus à l'ouest, on a conçu des saillies un peu avançantes aux intersections de Garnier et de Fabre, oui, c'est ça. On a des passages piétons qui sont là sans qu'il y ait de stop. C'est des passages piétons qui doivent être respectés par les automobilistes. Si quelqu'un veut traverser en auto, on doit s'arrêter, mais on sait que ce n'est pas toujours respecté. Donc, pour aider les automobilistes à bien voir les piétons, à bien respecter ça et aider les piétons à traverser en confiance, en sécurité, on soumet donc ce projet d'avoir des belles saillies verdies qui vont rétrécir un peu la rue puis marquer physiquement qu'à cet endroit-là, c'est le piéton qui a la priorité. Et le troisième projet, non le moindre, c'est la rue Boucher. Dans la première phase, là, c'est entre Saint-Hubert et Smetana, ou c'est l'autre bord? Saint-Hubert et Henri-Julien. Henri-Julien, ah bon, de côté. Où on veut... C'est une rue qui est quand même assez large puis qui est très grise. Il y a très, très peu d'arbres parce que les maisons sont collées sur le trottoir puis les trottoirs eux-mêmes sont très étroits. Dans certains cas, même, il y a des poteaux de l'hydro qui ont été plantés dans les trottoirs puis les machineries ont beaucoup de mal à déneiger l'hiver. Donc, on veut élargir les trottoirs, créer des grandes bandes, des banquettes verdies pour planter beaucoup d'arbres, planter de la verdure, aller donner vraiment un coup de fraîcheur à ce coin-là de l'arrondissement qui est très bétonné, asphalté, qui est très chaud. Donc, une jolie rue avec des belles vieilles, parmi les plus anciennes maisons de l'arrondissement dans ce petit coin-là, mais qui va, si on peut obtenir ces sous-là, bien, devenir bien jolie. Puis j'ajouterais que c'est quand même aussi le mois de... Je pense à mon ancienne collègue Josefina Blanco, là, qui a été élue ici pendant 4 ans. C'est aussi le mois de l'héritage latino-américain. J'en profite pour saluer toutes les personnes d'origine latino-américaine qui habitent notre arrondissement. Bonne célébration, bon mois de l'héritage latino. Merci, Marianne. Je veux juste ajouter que le projet de la rue Boucher va nous permettre d'avoir des trottoirs accessibles universellement. Oui, moi, ce sera plus rapide. Je voulais vous faire part d'un nouveau projet dans Milton Park. Vous avez sûrement vu, au cours des 2 dernières semaines, un conteneur s'installer sur la rue Milton, entre l'avenue du Parc et Jeanne Mance. Donc, c'est un projet qu'on appelle E égale MC2 pour équipe multidisciplinaire de concertation communautaire. Vous le savez sûrement, il y a un comité d'acteurs qui travaille sur le secteur Milton Park, notamment sur la coordination des services pour personnes en situation d'itinérance et bien sûr également pour apaiser et renforcer le sentiment de sécurité des résidents dans le quartier. Donc, à la demande du SPVM et en concertation avec le poste de quartier 38, avec les médiateurs et médiatrices du Centre d'amitié autochtone de Montréal, avec la ville et avec le
Mauritius, il a été décidé d'installer ce petit conteneur qui n'est ouvert uniquement que quand il y a des gens qui offrent des services aux personnes en situation d'itinérance. Donc, s'il n'y a personne pour l'occuper, il est fermé. Donc, c'est un lieu dans lequel des officiers de police ou des infirmières ou encore des médiateurs et médiatrices du Centre d'amitié autochtone vont offrir des services aux personnes qui en ont besoin. Mais indirectement, ça permettra aussi d'augmenter le sentiment de sécurité aux résidents du quartier. C'est un projet pilote. Nous allons avoir des données chiffrées, des résultats, le nombre d'interventions, les conséquences que ça a sur le quartier. Et on verra par la suite si on pense que ça améliore la situation. Voilà. Merci. Donc, ça fait le tour du monde des élus. En poursuivant avec l'ordre du jour à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022. Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 septembre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période de questions du public est ouverte et sa durée sera d'une heure, comme à l'habitude, sauf si le conseil la prolonge. Veuillez limiter, s'il vous plaît, votre intervention au temps alloué de 3 minutes. Et je vous rappelle que vous serez filmé en direct. Si vous ne voulez pas être filmé, simplement nous le mentionnez en vous rendant au micro. Alors, la période de questions se terminera donc à 21h09. Je demanderai à Mme Michaud, s'il vous plaît, de vous présenter au micro pour poser votre question. Le 13 juin, j'étais venue vous poser une question au sujet de... j'étais venue poser une question au Conseil de ville de Montréal au sujet de la création d'un centre de services multidisciplinaire. Centre de services intégrés pour les personnes inuites en état d'itinérance. Ce qui s'est passé à cette réunion du 13 juin au Conseil de ville de Montréal, il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité et c'était assez intéressant parce qu'une des motions, c'est justement de créer un centre de services multidisciplinaire, de services intégrés. Sur le territoire de Montréal, pour les Inuits en particulier, les Autochtones aussi, là, mais en particulier pour cette population-là. Donc, d'après ce que je comprends, c'est la ville qui est censée trouver le lieu pour faire cet endroit-là, et c'est évidemment le gouvernement du Québec qui doit trouver le moyen de le créer, le centre, en fait. Donc, la motion adoptée au Conseil de ville disait que on voulait prioriser que la création d'un centre comme ça devait se faire avant la fin de l'année 2022. On était au 13 juin. Donc, il reste juste à peine 3 mois avant la fin de 2022. Quand on parle d'un centre comme ça, on ne parle pas de refuge, là. On parle d'un centre, c'est un projet structurant, c'est un projet d'envergure, c'est pas un refuge. Donc, et j'avais donné ici, au 6 septembre passé, j'avais donné l'exemple du centre Tungasuvingat Inuit d'Ottawa, qui pouvait être inspirant pour nous, là, pour créer un centre de cet ordre-là, qui est situé, lui, à 13 kilomètres de la du centre-ville d'Ottawa. Donc, il reste juste 3 mois avant la fin de l'année 22. Ma question s'adresse à M. le maire, parce que vous êtes aussi membre du conseil exécutif. De l'exécutif de la Ville de Montréal. Je veux savoir exactement qui pilote ce projet-là à la Ville de Montréal de trouver un lieu. En fait, qui est responsable aussi, en même temps, pour la Ville, de pousser après le gouvernement du Québec pour qu'il fasse quelque chose?
Merci pour votre question. Donc, la personne responsable de la question de l'itinérance, vous la connaissez bien. C'est l'ancienne conseillère d'arrondissement du district de Laurimier, Joséphina Blanco. Donc, c'est elle qui est la responsable au comité exécutif de toute la question de développement social et itinérance et qui est en lien avec donc, le cabinet de la mairesse, notamment. La mairesse est aussi en lien avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est des discussions de gouvernement à gouvernement. On vient d'avoir une élection. Donc, vous me demandez le nom de la personne responsable, c'est Joséphina Blanco. OK. Question complémentaire. Mm-hmm. J'ai fait une petite recherche. Il y a 5 personnes à l'exécutif de la ville qui ont, dans leur description de fonction, les mots comme inclusion, diversité, racisme, réconciliation, peuple autochtone, itinérance. Il y a 3 autres personnes aussi. Mm-hmm. Il y a donc 2 commissaires, puis un protecteur des personnes en situation d'itinérance. Et en fait, tout ce monde-là a pour fonction d'assurer la protection des minorités, des autochtones, des personnes en état d'itinérance. Et il me semble que ces 8 personnes-là, là, ils seraient capables de trouver des solutions pour corriger la crise la crise des personnes en état d'itinérance de Milton Park. Il y en a toujours juste 40 autour. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui est capable de vraiment porter ce dossier-là sérieusement? Et ça fait 4 ans qu'on se pose des questions, on se demande pourquoi ça ne se passe pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence pour que ça soit réglé, pour qu'un centre comme ça soit créé, parce que vraisemblablement, il semblerait qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait là, depuis 5 mois là-dessus. C'est quand même la grande résolution, une des grandes résolutions de l'Ombudsman. Donc, dites-moi, monsieur le maire, pourquoi c'est si lent? On veut le comprendre. Ça n'a pas d'allure. Il y a eu quand même plusieurs actions qui ont été mises en place. T'sais, vous le savez, là, de toute façon, parce que vous venez régulièrement ici. Vous voyez ce que nous, on tente de faire en arrondissement, mais je pense que vous aviez bien compris que nous, en arrondissement, on n'a pas la capacité de financer, de soutenir la création d'un centre montréalais. C'est pas notre domaine, ni de compétences, ni on a les ressources pour le faire. Et si c'était simple et facile, on l'aurait fait. Il n'y a personne qui souhaite que la situation ne s'améliore pas. Il n'y a personne qui n'est pas touché par la misère humaine vécue par les personnes que vous côtoyez, vous, quotidiennement. Donc, c'est intolérable de voir cette situation-là. Et on voudrait vraiment améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans la rue, dans une grande misère. Et il y en a de plus en plus. Parce que les gens viennent du Nord chercher des services à Montréal et ils restent à Montréal parce que leurs conditions de vie dans leur village sont pires. Donc, c'est un problème qui demande des interventions aussi dans les villages inuits pour offrir des services, un cadre de vie, des conditions de vie pour que les gens soient pas incités à s'en aller juste pour fuir cette misère-là puis de se retrouver dans un autre type de misère. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de concret, sinon que, oui, on a la responsable du comité exécutif, Joséphina. On a aussi Alia Hassan-Cournol, qui est membre du comité exécutif, qui est responsable de la réconciliation, de la question plus autochtone et Première Nation, Inuit, etc. On a des conversations avec le gouvernement du Québec. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Moi, il y a plusieurs mois, j'étais plutôt optimiste quand Lionel Carman, le ministre délégué à la Santé, est venu à l'Hôtel-Dieu annoncer 250 millions sur 5 ans pour répondre aux besoins d'itinérance. Puis, entre l'annonce d'un ministre puis que l'argent atterrisse sous le terrain, bien, c'est long puis c'est compliqué. Puis on l'attend, nous aussi, impatiemment, comme vous. Et votre deuxième question est posée. Ouais, c'est pas parce que c'est compliqué que ça devrait pas se passer. Là, c'est... Il ne faut pas que ça soit une excuse. Merci, Mme Michaud. Merci. Monsieur Bernard Hébert, c'est à vous. Bon, rebonsoir. On va continuer dans le même axe.
Nous, au collectif des résidents de Milton Park, justement, on reconnaît que vous avez fait des efforts dans le quartier. On vit un bouleversement, on en a encore parlé, une crise autochtone sévère, de la violence, de l'insalubrité, problème de sécurité des résidents. Les Autochtones souffrent aussi, sont dans la rue. Le rapport de l'Ombudsman a été clair, il a été approuvé. La troisième recommandation dit ceci, qu'il y a un comité stratégique qui soit mis en place et qu'il y ait des résidents de Milton Park qui fassent partie de ce comité-là. On en a parlé en juin, mais il y a 4 mois qui ont passé encore. C'est à l'arrondissement, je pense, de faire quelque chose. C'est pas la ville, là, cette fois-ci. On parle de l'arrondissement de Milton Park. Faut-vous nous indiquer clairement où c'est rendu, puis quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ce comité stratégique avec des résidents pour pouvoir travailler à des solutions concrètes, faire avancer les dossiers et parler de sécurité aussi et comment gérer l'itinérance dans notre quartier? Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, ça s'adresse complètement à l'arrondissement. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça prend quand même beaucoup de réflexion pour décider quel va être exactement le mandat de ce comité, comment sélectionner les personnes présentes autour de la table, comment animer ce type de rencontre. Donc, on a travaillé là-dessus cet été. On a une version quasiment finale de ce qu'on souhaite proposer. On est à l'étape de validation avec des partenaires importants, notamment l'Ombudsman. On veut faire valider notre proposition par l'Ombudsman. Donc, on devrait être en mesure d'annoncer la procédure bientôt, très bientôt. Bon, en octobre. En octobre? Parce que dernière question, est-ce qu'on pourrait avoir ce comité stratégique-là avant la fin 2022? Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible, parce qu'octobre, c'est avant la fin 2022. On est en octobre. On est en octobre. On est vraiment à l'étape finale. On veut... On sait que c'est un sujet sensible. On sait que il y a toutes sortes de tendances dans le quartier aussi. Il y a des gens qui ont des... Faut qu'on trouve la bonne façon de faire quelque chose qui va être constructif. Donc, on y a travaillé fort. On pense qu'on a quelque chose qui tient la route. On veut avoir l'avis de l'Ombudsman. Est-ce qu'elle pense que ce qu'on propose, c'est pertinent? On est rendu à l'étape finale. Et à partir du moment où soit nous a proposé des modifications, donc on lui laisse quelques semaines, là, mais on est sur le bord de le mettre en place. On est vraiment bien avancé. Je pense qu'on a quelque chose que vous allez apprécier, mais on veut être sûr qu'on ne met pas quelque chose qui va plus créer de conflits puis de tensions que d'amener des solutions constructives. Les résidents vont être informés, monsieur le maire, bientôt. Absolument. Parfait. Les résidents vont être informés, puis on va avoir un processus de sélection de qui va être retenu pour participer à ce groupe de travail-là. Merci. De rien. Madame Garneau, c'est à vous. Il ne faut pas être filmé. Allez-y. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, l'autre jour, je cherchais un endroit pour stationner ma voiture le jour du nettoyage des rues et je me suis retrouvée au coin de Napoléon et de l'Hôtel de Ville à 11 heures le soir. Au stop, un homme inconnu s'est approché et a regardé par ma fenêtre. Je suis partie rapidement et je me suis garée un peu plus loin sur la rue. Dans mon rétroviseur, j'ai vu l'homme au coin de la rue, traverser la rue, retraverser la rue, regarder dans ma direction. Pourquoi attendait-il? J'ai décidé, ayant survécu 15 ans à faire le last call sur Saint-Denis, que je n'aurais pas peur. Pourtant, j'ai préparé le 911 sur mon téléphone. J'ai écrit un poème en anglais pour mieux vous relayer les faits. My door, my stairs, they've been absconded by a dealer, not of cards, of poison in a jar. Darkness swallows all, four walls crumbling to the ground. Steps, footsteps, strangers standing, staring. I walk not far from car to home. A lady
Can I use your phone? Lady, hey lady. My thumb is ready, dialing, engulfed by fear. 911, what is your emergency? I'm walking home alone. Afraid of darkness, of the soulless, of those lost on wings of madness, living on my steps, stoop on which I once liked to sit. J'ai été récemment informée par un voisin qu'il y a un vendeur de crack qui donne ses rendez-vous au coin de Napoléon et de l'Hôtel de Ville. Le jour du grand incendie, j'ai appelé le 911 pour signaler un overdose à cet endroit précis. Un voisin m'a dit que cet individu est resté à rôder Napoléon de 4 heures à minuit dans un état d'incohérence. Je voudrais partager ces changements de zonage avec le conseil et avec le poste, le chef du poste 38 et demander quelles sont les mesures qui seront prises pour adresser cette situation. Merci. Merci, Madame Garneau, pour votre témoignage, intervention, poésie. La situation, on la voit, puis on est plusieurs. Je vais aller la semaine prochaine faire un quart de travail aussi avec les policiers. La situation de la criminalité augmente, la situation de la pauvreté augmente, la situation d'itinérance augmente, et c'est un enjeu social qui est large. Les policiers, ils ont une partie du travail qu'ils peuvent faire. Hein, puis ce qu'ils ont besoin, à chaque fois que je rencontre M. Harrison Gaudreau, il me dit toujours, nous, on a besoin d'avoir de l'information pour intervenir. Si on n'a pas d'intervention, s'il n'y a pas de signalement, ça ne rentre pas dans nos bases de données, puis ça ne devient pas un hotspot pour aller augmenter la surveillance. Donc, je vous invite, quand vous êtes témoin de différentes situations, de les signaler au 911. Donc, déjà, ça, c'est une action à faire. Et ensuite, nous, on se rend compte à chaque mois avec l'inspecteur Harrison Gaudreau pour essayer de voir où sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on prend la situation vraiment très au sérieux. On va aussi sur le terrain avec les policiers pour aller voir la réalité parce qu'il y a des réalités que nous, on ne voit pas nécessairement. Donc, on va aller voir aussi ça. Et vous avez peut-être entendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir... D'ailleurs, c'est comme l'itinérance, ça doit être leur chiffre magique, 250 millions. Je n'avais pas fait le lien, mais pour augmenter les services en sécurité publique à Montréal, parce qu'on a une situation quand même qui nous demande de la vigilance. Et on va avoir notre brigade EMIS en intervention sociale qui va pouvoir se déployer partout à Montréal, parce qu'on a aussi beaucoup, on s'est aperçu que au SPVM, autour de 30 % M. Harrison Gaudreau me disait, plateau, c'est presque 40 % des signalements, c'est des enjeux de santé mentale. Si on est capable de libérer les policiers de ces situations-là qui demandent davantage des intervenants sociaux pour qu'ils puissent concentrer toutes leurs ressources, leurs efforts, leur expertise sur les interventions qui requièrent des policiers, ça va être déjà aussi une façon de, je pense, d'améliorer nos mécanismes de protection. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous. J'inviterai M. René Segoum, s'il vous plaît. Renaud Séguin, ça va. C'est très léger. Il s'agit du bain libre familial. Le week-end. Donc, l'année passée, j'ai joui de cette possibilité-là avec ma petite-fille. Il y avait beaucoup de parents avec beaucoup d'enfants au YMCA du parc le dimanche matin. Depuis quelques mois, cette plage horaire-là, elle est fermée. Et je me suis renseigné dans les trois autres piscines du plateau. Et il n'y en avait aucune qui offrait une plage horaire le week-end, le matin, familial. Il y en a juste une ou deux heures l'après-midi, puis c'est les heures où les enfants font leur sieste. Donc, c'est un peu triste que
ça ne se passe plus. Donc, je ne sais pas si c'est à la ville ou à chaque piscine spécifiquement, je devrais m'adresser, mais ce serait vraiment souhaité. Et puis, il me semble qu'il y avait, c'est plus que moi, il y avait beaucoup de personnes dans la piscine. Là, c'était très populaire là, comme séance. Donc, on se regarde pour voir si quelqu'un est au courant. Donc, personne n'est au courant de ça. Donc, vous nous informez de ça. Écoutez, on va vérifier parce que notre directrice de culture, sport, loisirs et développement social est présente. Maëva Villain, c'est l'élu responsable de ce dossier-là là, pour les élus. On va vérifier ce que c'est. C'est quoi la situation? Parce qu'on a vraiment, dans les derniers mois, tenter de renforcer l'offre d'activités bien libres, etc. Donc, on va vérifier ça, puis on va vous appeler pour avoir l'information exacte. OK? Merci à vous de nous le soumettre. Merci pour la question. Il faudrait... Monsieur Séguin, oui, désolé pour votre nom. Là, il y avait une petite erreur sur notre feuille. Il faudrait donner vos coordonnées, parce que nous n'avons pas vos coordonnées. Donc, peut-être après, à la fin, donner... un élu, là, quelconque. D'accord? En exaspération. J'inviterai M. Patrick Zalewski, s'il vous plaît. Bonsoir. Et moi, j'ai une question au sujet, en fait, question... peut-être un propos au sujet des fermetures estivales de l'avenue Mont-Royal. Donc, il y a plusieurs problèmes, à mon avis, et puis à l'avis des gens avec lesquels j'ai discuté cette fermeture-là. Et, fin de mois de mai de cette année-là, je me suis trouvé au bureau d'arrondissement pour d'autres affaires. Et puis, j'ai vu un petit pamphlet qui stipulait que l'arrondissement, suite au succès de l'année précédente, va procéder avec la fermeture de l'avenue Mont-Royal. Donc, tout de suite, je me suis posé la question à moi-même, quel succès ? Parce que d'après moi et puis d'après les gens avec qui j'ai discuté, c'est loin d'un succès. En fait, je dirais pas un désastre, mais je veux dire là, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes pour la population. Moi, je comprends que pour la Société des commerçants de Mont-Royal, c'est un grand succès. En fait, même pas pour la société, c'est pour les propriétaires des bars. Je ne sais pas combien il y en a, 30, 40, 50 peut-être. J'ai discuté avec les gens, mes voisins, j'ai discuté avec quelques commerçants, disons, ordinaires, pas les propriétaires de bars, bien sûr. Et puis tout ce qui sort de ça, c'est à peu près ce que j'ai noté sur cette feuille. Donc, le premier point, la déroute complète des transports en commun. Ça veut dire là, 3 mois de déroute des... la route des 97, 14, 11 et 29. Ça, c'est un problème en soi, parce que les gens fonctionnent par les routines, habitudes, et puis soudainement, on levait les bus le matin, là, c'est pas vraiment grand-chose. Et c'est une grande chose. Mais donc, il y a plusieurs gens du public, comme moi, par exemple, là, on se tourne vers un moyen alternatif. Vélo Bixi. Bixi, il n'y en a plus à partir de fermeture de Mont-Royal parce que toutes les fêtards qui fêtent jusqu'à 1h ou 2h le matin, ensuite ils prennent la Bixi pour rentrer chez eux. Donc les matins, les gens qui vont les prendre pour aller à l'université, au travail, etc., trouvent les bornes complètement vides. Donc il y a les restes, bien sûr, la possibilité de prendre la voiture si c'est qu'il utilise. Il se trouve dans le trafic infernal sur boulevard Saint-Joseph. Et mes voisins qui ont, par exemple, qui ont les enfants au Stanislas, dans Outremont, normalement, ils prenaient 15 minutes pour porter les enfants à l'école. Et puis, au début de juin, ils ont pris 40. Livraisons qui se font dans la rue voisine à Mont-Royal, avec les gros camions, et les bruits des fêtards qui rentrent très tard dans la nuit, les saletés.
Par exemple, moi, j'habite près de la Reine à Mont-Royal, donc ça, c'est une place de prédilection pour uriner dans la nuit dans ce parc-là. Je vais vous demander d'arriver à votre question, parce que vous avez dépassé les 3 minutes. Donc, au fond, la question est suivante. Vous avez dépensé beaucoup d'argent dans cette fermeture-là. Vous subventionnez probablement la société de développement des commerçants de la rue Mont-Royal. Moi, je me demande, est-ce que c'est le rôle d'arrondissement de sous-financer, subventionner les propriétaires des bars, parce que ça revient à ça. J'ai parlé avec quelques commerçants. Et puis, je demanderai de poser votre question parce que vous avez épuisé votre temps. D'accord, donc je pose la question. Les commerçants n'ont pas, commerçants ordinaires n'ont pas les profits de ça, c'est ce qu'ils m'ont dit directement. Donc la question est-ce que c'est le rôle d'arrondissement de subventionner par indirectement ou directement les propriétaires de bars sur la rue Montréal? Voilà. Merci pour votre question. Donc, vous avez commencé en disant comment on peut mesurer le succès de l'avenue du Mont-Royal. Parce que, selon vous, ce n'est pas un succès et selon, semble-t-il, les voisins à qui vous parlez. L'achalandage sur l'avenue du Mont-Royal depuis 2 ans est exceptionnel. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur l'avenue du Mont-Royal et la clé pour un commerçant, c'est l'achalandage. C'est ce que les commerçants rêvent, c'est d'avoir du monde qui passe devant leur porte pour être capable éventuellement de les capter puis de les inviter dans leur commerce. Pas seulement les bars et les restos. Bien sûr, c'est les principaux avantagés avec les grandes terrasses, bien sûr, mais pas que. Il y a plusieurs commerces de détail qui ont réussi à faire découvrir leur commerce à une nouvelle clientèle qui ne les connaissait pas et qui sont venus sur l'avenue du Mont-Royal. Par ailleurs, la deuxième année, on a fait un sondage auprès des citoyens du plateau parce que nous, on voulait savoir qu'est-ce que les citoyens en pensent, pas seulement les commerçants. Et il y avait plus de 75 % des citoyens du plateau dans notre sondage réalisé par Léger. Donc, une firme de sondage externe, crédible, qui fait les sondages sur les élections d'ailleurs, qui nous a confirmé qu'il y avait un appui très fort de la population pour maintenir la piétonnisation, qu'eux appréciaient. Les gens du plateau vont plus souvent sur Mont-Royal et ils y vont plus longtemps. Donc, c'est vraiment un espace public qui est approprié. Et le nombre de messages ou de témoignages qu'on a de citoyens et citoyennes du plateau qui nous disent « merci », c'est tellement génial, l'avenue du Mont-Royal piétonne, surtout continuer. On a eu une élection à Montréal il y a moins d'un an. Et dans notre plateforme, nous, on a dit, si on est élu, on va continuer pendant les 4 ans de notre mandat. Et on a été élu avec plus de 2/3 des votes des citoyens du plateau. Donc, il y a du monde. Les gens l'apprécient en général, pas 100 %. Les commerçants l'apprécient en général. La très grande majorité des commerçants, tout type de commerce confondu, est favorable à la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal. On a un nombre record d'articles parus partout dans le monde qui parlent de l'avenue du Mont-Royal. Donc, ça devient même un lieu incontournable. Si tu viens à Montréal pendant l'été, tu ne peux pas aller faire un tour sur l'avenue du Mont-Royal. Mais on ne le fait pas pour les touristes. On le fait en premier pour les résidents du plateau qui apprécient énormément l'avenue du Mont-Royal. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux qu'on doit travailler. On en a ciblé une série. On est en discussion aussi avec l'Association des commerçants. La question du bruit le soir, les livraisons, il reste des enjeux. Le transport en commun, c'est un enjeu, je le dis à chaque fois, c'est un enjeu le bus 97 particulièrement parce qu'il n'est pas aboli, le service. Il est déplacé. Donc, il est sur Saint-Joseph. Ce n'est pas pour des gens en bonne santé, ce n'est pas un gros enjeu de marcher 2 coins de rue. Mais pour des personnes plus âgées, à mobilité réduite, c'est un enjeu. Donc, on en est conscient. C'est pour ça qu'on a mis le service avec la coop EVA. Donc, on va chercher les personnes âgées ou à mobilité réduite en voiture, chez elles. On les apporte à leur commerce où ils vont. On les ramène chez eux en voiture gratuitement. Et on a mis en place le service aussi Vélo Duo, donc où on a les personnes qui peuvent, avec des grands vélos cargo, se déplacer. Donc, tout n'est pas parfait. Il y a encore des enjeux. Il y a de la place d'amélioration. On veut continuer à l'améliorer. Mais pendant les 4 prochains étés, l'avenue du Mont-Royal va être piétonnisée. D'accord, merci. Je comprends que bon, c'est une sentence, donc on ne voit pas sur un chapeau.
Par contre, sachez que peut-être 25% de la population, en tout cas selon mon sondage, selon mon sondage privé, c'est beaucoup plus, n'est pas vraiment les fans de cette institution. Et puis je dis là, d'après moi, en principe, je veux dire là, subventionner directement surtout ce type de commerce, moi je ne suis pas intéressé par la multiplication de bars et restaurants sur le Mont-Royal. Je dirais, ça ne devrait pas entrer dans le mandat de municipalité. Bon. Merci en tout cas. Merci d'être venu. Je vais quand même commenter votre dernière intervention. Il n'est pas question d'augmenter le nombre de bars sur l'avenue du Mont-Royal. On a, dans notre règlement d'urbanisme, imposé un quota. Donc, pour nous, c'est très clair qu'on ne veut pas que ça devienne une rue de bars. Mais on pense que les bars, les terrasses, les restos, ça contribue à la dynamisme de la rue au dynamisme de la rue commerciale. Ça en prend, mais pas trop. Donc, c'est ça l'équilibre qu'on a mis. Et c'est pour ça qu'on a mis des quotas. Il y a un nombre maximal. Il est atteint. Donc, s'il y en a un qui quitte, il peut s'en ajouter un, mais sinon, il n'y a pas d'ajout. Tour maintenant de M. Alexandre Madzinski. Bonjour. Je suis ici avec plusieurs de juste deux autres voisins. Donc, on a plusieurs questions qui touchent sur le parc Jamance. Donc, on avait eu une rencontre avec plusieurs voisinages pour parler par rapport à des inquiétudes qu'ils en avaient eues. Et mon question, c'est relayée plus à l'affichage pour voir est-ce qu'il y a une possibilité pour avoir des règlements pour le parc affiché quelque part, parce qu'on a rendu compte que même nous, on ne savait pas c'était quoi les règlements autour des amplificateurs, la musique, même les heures d'ouverture de la parc. Donc, c'est juste ça, c'est mon question. C'est quoi le processus pour démarrer, pour avoir l'affichage, pour afficher les règlements dans le parc? Ça, c'est pour le Germain spécifiquement. Merci beaucoup. On est très certainement ouvert à revoir la signalisation à l'intérieur du parc Jeanne-Mance, mais la règle pour tous les parcs de la Ville de Montréal, c'est que les parcs sont fermés à minuit, de minuit à 6 heures du matin. Ça, c'est une règle qui s'applique à tous les parcs. Cela étant dit, s'il y a des éléments ou des interdictions qui ne sont pas assez claires dans la signalisation du parc, on peut très certainement regarder ça pour voir si des améliorations sont requises. Je sais qu'on a reçu quelques plaintes concernant un DJ qui avait de la musique amplifiée très forte. Maëva Villain et moi avons accompagné des policiers en patrouille dans le parc Jeanne-Mance récemment et j'ai appris que les personnes qui jouaient de la musique amplifiée forte ont reçu des contraventions. Donc, on est conscient que des citoyens qui habitent aux alentours, aux abords du parc Jeanne-Mance, ont récemment exprimé certaines inquiétudes par rapport au niveau de fréquentation qui s'est beaucoup intensifié depuis le début de la pandémie et aussi par rapport à certaines nuisances, notamment l'amplification excessive de musique dans le parc. Donc ça, c'est interdit. On n'est pas censé, à moins d'avoir un permis d'événement public, où c'est strictement encadré. On ne peut pas amplifier de la musique à l'intérieur de ce parc-là, ou les parcs en général à Montréal. Mmh. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion. Souvent, les policiers, l'inspecteur Harrison Gaudreau nous dit que c'est plus facile de faire appliquer les règlements quand on sait qu'ils sont affichés. Comme ça, on peut aussi expliquer aux gens, bien, c'est écrit là, le règlement. Donc, on va analyser ça. On a eu une situation problématique là, dans le Milan au Parc sans nom. Donc, on a fait un affichage spécifique pour rappeler la réglementation. Donc, il y a des gens qui le font peut-être de bonne foi. C'est juste qu'ils ne savent pas que c'est interdit. Disons. Une partie des gens sont comme ça. Et donc, on va les informer. Comme ça, ça va peut-être les inciter à respecter les règles. Et sinon, ça pourra outiller aussi les policiers pour l'application du règlement.
parce qu'au moins, il aura été affiché, clairement signalé. Donc, on a notre directeur, là, Jean-François Morin, là, de développement du territoire, là, qui a bien noté ça. Là, on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Et nous arrivons à la dernière question pour les personnes présentes. Monsieur Simon Sacha. J'espère que ça ne vous dérange pas si je parle en anglais, mais c'est plus facile pour moi. I'm here also as part of the same group to do with the Parc Jean Maas. My question is specific to the lighting of the soccer field. As of now, the lights seem to go off at 11 o'clock at night. They used to go off earlier. It seems to us that, particularly in winter, those lights also stay on till 11 o'clock at night. It seems to us a huge waste of energy, and it is enormous light pollution for those of us living in the area. It's also ecologically unsound. So we would like to suggest that the lights go off earlier, and we'd like to know why the city or the arrondissement keeps the lights on till 11 o'clock, no matter what the circumstances, no matter what the weather. Je vais bien répondre. Yes, thanks a lot for the question. It's a situation we are working on presently with our services. And we understand that we agree with you that lights should be closed, especially when the ground isn't used. So we are trying to find the best way to operate in order to be sure that lights shine only when they need to be on. Thank you. Nous avons également 5 questions en ligne. Alors, je vais lire la première, Monsieur le maire, si vous le voulez bien, de Madame Christiane Gambin. J'habite rue Coloniale depuis 20 ans environ. J'avais le plaisir d'en parler comme une rue village où les gens se reconnaissaient, se saluaient et s'appréciaient. Mais depuis quelques années, l'âme de la rue n'est plus là. Qui plus est, l'état de détérioration de la rue est consternant. La saleté, les dépôts sauvages de déchets, le non-respect des collectes par certains étudiants présents seulement pour quelques mois, les crottes de chiens, la venue de l'ancien petit parc colonial de vendeurs de drogue et d'itinérants, pardon, rendent ce petit coin si charmant, vraiment triste et déprimant, au contraire des rues adjacentes. Que pouvez-vous faire pour améliorer la qualité de vie des citoyens réguliers? Mais, merci beaucoup, Mme Gambin, pour votre question, vos commentaires qui sont bien notés. Le commandant du poste 38 a été ici et aura sûrement pris note de vos commentaires. Je pense que vous faites référence quand vous parlez du parc colonial. C'est le parc qui s'appelle actuellement le parc Hirschwalowski. L'arrondissement a investi des sommes modestes, mais quand même des sommes pour embellir ce parc-là. Donc, il y a une nouvelle zone de plantation qui a été aménagée, une nouvelle clôture a été érigée et d'autres bonifications ont été apportées à ce parc-là. Cela étant dit, lors d'une rencontre avec des résidents du secteur, Maëva et Villain et moi avons des témoignages concernant le vente et la revente de stupéfiants dans ce secteur-là. Nous avons communiqué ces préoccupations au commandant Harrison Godreau du poste de quartier 38. Donc, ce sont des problèmes qu'on prend très au sérieux et on sait que le poste de quartier et son commandant les prennent très au sérieux aussi. Merci. Prochaine question de Mme Julie Labelle Patnaud. Mercredi 28 septembre à 12h40, il me reste un petit 20 minutes sur mon heure de lunch pour m'imprégner de la magnificence des arbres du parc Baldwin avant de reprendre le boulot. Le vombrissement de la tondeuse à gazon me fait déchanter. Je ne comprends pas ce que l'ouvrier fait. Le gazon est pourtant bien court et il n'y a à peu près aucune feuille à déchiqueter. Quelle est la valeur ajoutée de son travail? Tout ce que je vois, c'est une machine à essence très bruyante et des pneus qui détériorent le gazon humide. Je quitte l'endroit, le paysage sonore et l'odeur du gaz me font déchanter. Compte tenu de l'inutilité du travail réalisé, est-ce que le travailleur ne pourrait pas prêter main-forte à d'autres quarts de travail?
On veut garder les familles en ville, mais on multiplie les sources de bruit. Est-ce qu'on pourrait remettre en question la fréquence à laquelle on tond les gazons, voire même arrêter de tondre certains endroits et planter autre chose que du gazon? Merci, Madame Labelle-Patnaud, pour votre question. C'est intéressant d'y réfléchir, en effet. Les pratiques ont été revues dans les dernières années à l'arrondissement. On sait que les meilleures pratiques, en fait, disent qu'on doit garder la longueur du gazon à 2 pouces et demi, 3 pouces. C'est ce qu'on fait à l'arrondissement. Tout l'équipement ont leur couteau installé à 3 pouces de hauteur, donc ça ne peut jamais être plus court que ça. Aussi, il n'y a pas de tonte planifiée systématique avant d'envoyer un équipement avec quelqu'un pour l'opérer. Il y a des contremaîtres qui passent, qui vérifient quels sont les besoins, des fois dans les parcs, selon l'ensoleillement, selon l'humidité. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'il y a des endroits qui poussent plus vite que d'autres. Et souvent, l'opérateur ou opératrice de la tondeuse va faire seulement certaines parties. Ce n'est pas systématique, on va tondre à la grandeur. Donc, il y a vraiment un soin qui est apporté à ne pas travailler pour rien, nous dit-on. Et puis, on y va quand il y a vraiment besoin de tondre un peu là, pour garder ça à une certaine hauteur qui est quand même pas pire. Là, 3 pouces, c'est quand même pas pire. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a du réensemencement, régulièrement, on va réensemencer puis améliorer l'état de la pelouse. Il y a un mélange de trèfle maintenant qui est toujours ajouté. Ça fait quelques années que c'est comme ça et ça permet justement au gazon de ne pas pousser si haut et d'être plus durable, plus robuste au piétinement et tout ça. Mais on ne peut pas mettre que du trèfle. Il faut quand même garder une certaine partie de l'herbe gazon qui, elle, couvre mieux la terre et fait un coussin plus confortable là, pour ceux qui s'assoient dans le gazon. Mais il y a aussi un travail qui a été fait là, pour qu'il y ait un beau mélange. Et puis, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, là, c'est notre directeur de travaux publics qui nous a fourni toutes ces belles réponses. Donc, est-ce qu'il y a toujours place à l'amélioration? Certainement, mais en tout cas, pour l'instant, la révision des meilleures pratiques a été faite récemment. Puis, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Prochaine question de Jonah Engel. Allez poser votre question. Merci tout le monde. Je fais partie du groupe avec Alex et Simon, les voisins de la rue Esplanade. On est une vingtaine qui se sont réunis il y a quelques semaines, étant donné les problèmes de bruit croissants et récurrents la nuit dans le parc depuis quelques années. Donc, je voulais juste, comme M. le maire, vous avez dit que vous appuyez les solutions qui sauvent de l'argent. Je pense que le fait pour le moment, on doit appeler la police quand il y a des problèmes de bruit, c'est un gaspillage signifiant d'argent. Et donc, je voulais juste réitérer mon appui à cette idée d'avoir des enseignes. Déjà, je pense qu'il y a seulement un panneau dans tout le parc qui annonce les heures du parc. Donc, il y a du travail à faire. Et je voulais savoir, ça serait quoi le moyen d'avoir un suivi entre notre groupe, le voisinage et les mesures qui vont être prises ou qui vont être envisagées? Donc, je pense que le mieux, c'est de faire le lien avec Maëva Villain, okay, qui pourra servir d'interface avec nos équipes. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question de M. Christian Lorrain. Cet été, la rue du Lutte a été fermée à la circulation automobile. Dans le cadre de cette fermeture, des milliers de pavés ont été peints de couleur turquoise. En accompagnant ma fille à l'école, j'ai constaté qu'un entrepreneur s'employait à retirer cette peinture à l'aide d'un produit chimique appliqué à l'aide d'une brosse et d'une machine à pression alimentée par une génératrice à essence. Mes questions concernant cette opération. Combien a coûté l'application de peinture sur les pavés au début de l'été? Combien a coûté l'enlèvement de la peinture en septembre? Qui a autorisé ces opérations? Et la dernière, pourquoi ne pas avoir laissé la peinture en place? OK, je vais prendre la question. Merci, M. Lorrain. En fait, l'arrondissement autorise les interventions dans le cadre de la piétonnisation. La règle de base, c'est que s'il y a de la peinture au sol, comme on a la même situation sur l'avenue du Mont-Royal, s'il y a de la peinture au sol, tout ce qui touche la chaussée peut rester pendant la piétonnisation, mais doit être revenu à l'état
usuel, habituel, accepté par le ministère des Transports du Québec dès la réouverture de la rue à la circulation automobile. Donc, nos exigences, c'est on vous permet de peindre, mais il faut que vous enlevez toute peinture à la fin de la piétonnisation. Donc, nous, on autorise. Après, ensuite, sur les détails des coûts, etc., c'est un projet qui est piloté par l'Association des commerçants de l'avenue du Lutte. Donc, on va avoir le rapport là, final bientôt, donc, mais je ne suis pas en mesure de répondre combien ça a coûté exactement la peinture et l'enlèvement de cette peinture. Toutefois, on va évaluer si c'est vraiment minime et ponctuel et que ça n'a pas d'impact sur la sécurité des usagers, que ça occasionne pas de la diversion, etc., peut-être qu'on pourrait la laisser. Donc, on va évaluer la situation là, pour voir si… La règle de base, c'est tu mets de la peinture, tu l'enlèves. Mais si jamais c'est quelque chose de très minime, qui n'a pas d'impact, on pourrait éventuellement autoriser de la laisser. Donc, on va discuter avec l'association en vue de la piétonnisation de l'an prochain parce qu'on pense bien que l'avenue du Lutte aussi va vouloir répéter l'expérience de la piétonnisation de la rue du Lutte l'an prochain. Un autre projet qui est bien apprécié des citoyens. Et la dernière question appartient à M. Robin Boisvert. Le dernier spectacle de la saison estivale du Théâtre de Verdure était le 22 août dernier. Nous n'avons pas eu la chance d'assister à un spectacle comme c'était ultra populaire. On trouvait étrange que la saison estivale se termine le 22 août alors qu'il restait encore un tiers de l'été. Nous sommes certains que du 22 août au 21 septembre, il pourrait y avoir encore des dizaines de super spectacles extérieur, alors qu'il fait encore très chaud. Et c'est certain que les Montréalais seraient présents en grand nombre. Est-ce que l'an prochain, il serait possible de bonifier l'offre dans le temps et d'avoir une saison estivale au Théâtre de Verdure qui dure jusqu'à la fin de l'été, soit à la fin septembre? Oui, M. le maire, je vais prendre la question. Donc, merci beaucoup pour votre question, M. Boisvert. Je suis d'accord avec vous, le théâtre serait sans doute plein s'il y avait des spectacles jusqu'à la fin du mois de septembre. Cette année, je peux vous dire que ça n'aurait pas été possible parce que des travaux dans le bassin de l'étang du parc La Fontaine. Sinon, pour l'année prochaine, bien, je vais m'informer parce que c'est la ville-centre, en fait, qui est responsable du théâtre de Verdure et de la programmation. Donc, ça me fera plaisir d'entrer en contact avec vous si j'ai une réponse. Je vais avoir une réponse. Je la communiquerai avec vous. Merci. Bonne soirée. Oui, j'en profite quand même pour souligner qu'on a eu une saison exceptionnelle au Théâtre de Verdure. C'était magnifique, une programmation diversité. Il y avait plein de monde tout le temps. C'est tellement apprécié. On est bien heureux que ça reparte avec une saison un peu écourtée. Il y avait des travaux qui n'étaient pas complètement terminés. On est en train de les terminer. Et l'année prochaine, peut-être qu'on aura un petit peu plus long. Alors, ça termine la période des questions de la séance ordinaire. Nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. À l'article 12.01. Adoption de la démarche d'implantation du stationnement sur rue réservé aux résidents pour les secteurs 29 et 30. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.01, octroi d'une contribution financière de 300 $ taxes incluses à l'organisme Pop Montréal pour l'organisation de la fête de rue Esplanade qui a eu lieu le 24 septembre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, approbation de l'entente intervenue entre l'Agence de mobilité durable et l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour la réalisation d'un nouveau modèle d'implantation des permis de stationnement journalier dans les zones S3R. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2022. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.02, autorisation du dépôt de 3 demandes de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour le réaménagement des intersections des rues Rachel et Frontenac, Rachel et Garnier, Rachel et Fabre et le réaménagement du tronçon de la rue Boucher entre les rues Henri-Julien et Saint-Denis.
Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Donc, je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.02, ordonnance déterminant les modalités d'émission, d'utilisation et de vente des permis de stationnement journalier sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter à l'article 40.03, en avis de motion, dépôt et adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2022. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2022, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Article 40.04, adoption du règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de revoir notamment les objectifs et les critères applicables à l'approbation des projets autres qu'un agrandissement et une construction. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopter l'article 40.05, adoption du règlement modifiant le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation, afin de préciser les documents devant accompagner une demande de certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopter l'article 40.06, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser le maintien des enseignes existantes ayant des superficies dépassant les maximums prescrits pour le Théâtre La Tulipe, situé au 4530 avenue Papineau. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.07, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser le remplacement des revêtements extérieurs et la modification des enseignes au 4777 rue d'Iberville. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 50.01, autorisation de la création de la nouvelle division du développement social et des événements au sein de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et ce, en date du 9 juillet 2022. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 51.01, approbation de 3 renouvellements de mandat au Comité consultatif d'urbanisme du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter le dernier article 70.01, levée de la séance. Oui, juste avant de lever la séance, je veux juste profiter de l'occasion. J'ai oublié de le faire plus tôt pour remercier Stéphane Cloutier et André Pani qui ont fait tout le travail de soutien à notre équipe pour la préparation du budget et des présentations pour qu'on puisse vous présenter le plus clairement possible les informations relatives à notre budget d'investissement et notre budget de fonctionnement. Donc, merci beaucoup. Et je m'apprête à lever une quatrième séance de la journée. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Alex Norris, sa quatrième aussi, de lever la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022. Merci à tout le monde. Il est 21 h, la séance est donc terminée. Merci à vous tous. Merci.